إيش خايل مين صار ذر خايك مبنين مخرام بتخبر لي بالون ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישור אישור ירס ירס אשר C'est Rosh Chodesh Nissan et c'est un jour qui est comparé au, c'est Shakul Ben Hachem, c'est-à-dire ça vaut aussi, ça vaut de la même manière que la création du monde. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où on vient avec le Mishkan et il va y avoir Ashrat Ashrina sur l'âme Israël. Et en fait, c'est ça le tachlit de la Bria, c'est que Ashrat Ashrina, qu'elle soit Shoucha sur l'âme Israël. Donc, c'est un jour très, très, très spécial. Rabbeinu, il est né Rosh Chodesh Nissan. Et je pense qu'il y a un grand remez aussi là-dedans. Et donc, Aaron Cohen, voilà, il se prépare, enfin, c'est seulement le matin qu'il doit aller faire cette avodala, d'aller m'acrive les corbanotes. Et bon, ils ont appris pendant 7 jours, Toret, Adlakat Menorah et aussi les corbanotes. Et puis, bon, donc il se prépare. Et ce jour-là aussi, ils ont reçu un ordre du ciel que on ne doit pas amener un Esh Zara, c'est-à-dire un feu profane. Il faut que ce soit un Esh Kodesh qui va venir du ciel, qui va venir consumer les korbanot. Donc il est shochet, il abat la bête et tout, et il installe tous les organes sur le Mizbéar. Et voilà, toute l'assemblée du Ham Israël, ils sont là en train d'attendre que le feu du ciel, enfin le Esh Kodesh, il va descendre pour consumer les korbanot. Mais dans ce même moment, Aaron HaKohen, il voit l'image d'un Hegel comme ça au-dessus du Mizbéar. Et il attrape une boucha extrême, parce qu'en fin de compte, 9 mois auparavant, c'est lui aussi forcé par le peuple qui avait créé le Hegel. Donc il est rempli de boucha. Le veau d'or. Voilà. Oui, le veau d'or, oui. Et il est rempli de honte. Et il ne sait plus où se mettre. Et Moshe Rabbeinu, il lui donne du chizouk, il lui dit, sache que c'est voulu par Hachem que ce soit toi. Et toi, rempli de honte, hein, qui dois venir être makriv les korbanot. Et la honte, elle continue parce qu'ils sont là en train d'attendre 5 minutes, 10 minutes, demi-heure. Je pense qu'ils ont attendu à peu près 2 heures jusqu'à ce que le Esh Kodesh vienne. Mais il n'est même pas venu comme ça. À un moment donné, ils sont rentrés dans l'OL, Aaron HaKohen avec Moshe Rabbeinu, et c'est là qu'il a fait appel Moshe Rabbeinu, et il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de son frère. Il a tellement de honte. Tu peux pas. Ouais, il a presque fait une tochacha. Il a dit, envoie-lui, c'est terrible. Et pitié de mon frère, il a tellement de boucha comme ça. Envoie-lui le Esh Kodesh. Et à ce moment-là, le Esh Kodesh il est descendu et il y a eu Ashrat Ashrina et tout le peuple il s'est prosterné. C'était un moment extrêmement grand. Depuis Briat HaOlam, c'était un des moments les plus grands où il y a eu le Giloui de la Ashrina. Jusqu'à Mashiach, on va voir la même chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a besoin précisément d'avoir de la boucha pour être complètement les Shem Shamayim. Vous parlez du Bizayon tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun orgueil, il n'y a rien, c'est naki de tout égo. C'est-à-dire, c'est
Kol Leshem Shamaim. Il y a une histoire qui est racontée par le Rav, c'est une histoire de la Gemara. Elle est racontée par, on voit ça avec le Rav Abba, c'était Abba ou Abbaou, je ne sais plus. Il y avait une sécheresse à cette période, et en vérité, c'était une période. Lui, le Rav Abba, il était le Talmid de Rabbi Yochanan. Et il y avait une sécheresse, ils ont fait des tfilotes, tous les tzadikim, il y avait tous les amoraim qui étaient autour, il y avait vraiment un cal très très kadosh. Et la pluie ne venait toujours pas, jusqu'à ce que Rabbi Abba, il a fait une shelot chalom, et il a demandé à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans la réponse qu'il a reçue, là, avec cette shelot, comment on dit en français, une question, enfin, il a posé une shelot chalom, une question par le rêve. On lui a répondu, voilà, il y a un certain... comme ça il s'appelle, il faut aller demander à lui, quand lui il va demander, il va implorer, il va demander la pluie, ça va tout de suite, on va tout de suite l'exaucer. Et il a envoyé des shlichim pour chercher qui est ce pat kaka, qui c'est cet homme-là. Et en effet, on lui demande de prier, et dès qu'il prie, hop, la pluie elle vient. Alors ça a beaucoup intrigué Rabbi Abba, et il a demandé à ses shlichim de lui amener. Amenez-moi, parce que je veux comprendre qu'est-ce qui va donner ce route-là, alors qu'il y a plein de tzadikim qui ont prié, puis qui se sont donnés pour abolir la xéra de la sécheresse. Et alors il m'a demandé, il m'a dit, maintenant, tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Alors il s'est tout de suite présenté, il m'a dit, moi je fais 5 averot par jour. alors c'est quoi? En fait, il était, disons, Ishtar Zouka dans une maison de passe. C'était ça son métier. Ça veut dire que, voilà, je dis tout de suite, je fais 5 avorotes par jour. Alors, il dit, bon, d'accord, mais maintenant, est-ce que... mais raconte-moi quelque chose, un fait, quelque chose que tu as fait, quelque chose. Alors, il dit, ben, évidemment, c'est une maison de passe, et vraiment, c'est pas glorieux, mais un jour, il y a une femme qui est venue et... Elle est venue et elle a voulu travailler ici dans cette maison. Alors elle a regardé comme ça, elle a dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à faire ici. Elle dit, oui, mais on est des gens qui ont beaucoup de dettes et mon mari, il a été mis en prison et même pour le libérer, je lui ai donné une très très grande rançon et bon, je suis venue pour travailler. Alors il a dit, ah non, ça je suis pas d'accord. Et alors il a vendu tous ses effets, son coussin, sa couverture, ses draps, enfin, tout ce qu'il avait à la maison, il l'a vendu et il lui a donné l'argent pour qu'il délivre son mari qui était en prison. Alors on se pose la question, je crois que c'est le Rav Dessler qui dit comme ça, on se pose la question, comment ça se fait que, quoi? C'était la période des Amoraïm où ils ne pouvaient pas prier, ils n'ont pas fait de Maasé Chesed et tout. Qu'est-ce qui a fait que lui, précisément, sa bakasha a été exaucée? En fait, sa mitzvah à elle était absolument empreinte de aucune gava. Elle était les Shem Shamaïm, les Gamré. Il n'a pas pu être Mitgaï. Il était dans la boucha quand il a fait. Il avertit déjà, il dit voilà, je fais 5 avarot par jour. Mais c'était tellement naquit de toute prétention, de toute gava, de tout gain, de kavod et tout ça, que cette mitzvah-là lui a valu que ce qu'il dit, Hachem l'exauce. Et on voit que quand, pour la première fois que la Shrina elle est venue ici-bas, au Lamazé, eh ben, c'était dans un instant de boucha extrême pour Aaron HaKohen qui a revu l'image du Hegel. C'était une boucha terrible qui a attendu pendant 2 heures que le Hesh Kodesh y descend et on attendait que de lui qu'il soit brisé et qu'il soit dans la boucha parce que c'était les gamrés, les Shem Shamaim. J'aimerais raconter peut-être une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps au Kotel. C'est un truc personnel, mais c'est un rapport avec justement les corbanotes. J'étais au Kotel et puis, mince quoi, je languis le Betamigdash. Je dis, mince quoi, on n'a pas ça, on n'a pas le srout. Et j'ai commencé à poser des questions à Chien. J'ai dit,
comment c'était du temps du Beth-Amikdash? Puis c'était quoi la Hargasha? C'était quoi la Hargasha quand on a fait un korban? J'étais jalouse de ce moment-là, Bémet. J'étais jalouse, j'étais mitgagat de pouvoir sentir qu'est-ce que c'est. Alors j'ai fait une avouda comme ça, j'étais au Kodesh Kodashim et puis j'ai dit à Hachem, j'aimerais bien que voilà, que j'ai Ashrat Ashrina sur moi. J'étais ça, mitmimout, j'ai demandé ça. Et puis, bon, Bémet, j'ai senti que j'étais très, très envahie, quelque chose de waouh. Et, bon, c'est pas difficile, c'est au Kodesh Kodashim, la Shrina elle est tout le temps là-bas, je veux dire, mais ça fait rien, j'ai une Hargasha très, très spéciale comme ça. Et puis voilà, alors j'ai demandé, mais alors aujourd'hui, on fait quoi? Qu'est-ce que c'est? Beth-Amikdash, quoi? À l'époque, on pouvait m'écrire des corbanotes. Hein, on avait une Hargasha, ouais. Tout le monde avait de la simcha, Yerushalayim, il n'y avait personne qui n'avait pas de simcha. C'était extraordinaire la Hargasha quand on pouvait être makrib des korbanot. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On est où là? Alors, bon, bien sûr avec beaucoup de larmes, j'ai pu découvrir à quel point, bon, pour le moment, ben, notre choix à nous, c'est que notre Beth-Amikdash c'est dans notre intérieur, c'est en nous. Et puis, bien sûr, on a un Misberat Nimi. Et précisément, c'est toutes ces douleurs qu'on a. C'est toutes ces douleurs qu'on veut faire le mitzvot, puis c'est tellement dur. Et on a du karas et on ne veut pas avoir du karas. Et c'est aussi, c'est tellement dur. Enfin, toutes ces choses qui nous font mal, parce qu'en vérité, on voudrait, voilà, comme Esther elle disait sur les lions, quoi. On veut lutter contre ces yetzarim, qui nous envahissent et tout ça. Mais maintenant, cette douleur que ça nous fait, c'est ça qu'on aime écrire sur le Misbéra Pnimi. Je veux dire, c'est notre korban aujourd'hui. Et Bémet, on le donne, voilà. Et on lutte contre le Kaas, contre Tabatachila. Mais tout ça, c'est dur, c'est de la avoda. Alors, ouais, c'est ça qu'on aime écrire sur le Misbéra Pnimi. C'est beau ce que tu dis.